On l'a dit, ici au village des recruteurs de Lyon, il y a des agences d'emploi. Et parmi ces agences d'emploi qui recrutent et qui recrutent beaucoup, un habitué du village des recruteurs, l'agence Proman. Bonjour Alexia Chaplin. Bonjour. Vous êtes responsable d'agence chez Proman. Combien de postes à pourvoir potentiellement aujourd'hui à Lyon ? Sur Lyon, clairement des centaines. Sur toutes nos agences lyonnaises, pardon, sur toutes nos agences réunies, voilà, on a beaucoup d'offres à pourvoir sur diverses activités. De quel poste, si on doit faire le distinguo, de quel poste on parle en priorité, les postes peut-être les plus recherchés et donc les plus pénuriques? Oui, alors nous on va rechercher pas mal de profils en maintenance, sur des maintenances électroméca, électronicien. On va avoir donc sur notre agence expertise sur des profils IT aussi, assez techniques, où on recherche pas mal de profils. Sur les métiers support, tout métier de l'assistana. Et puis nous, on recherche sur mon agence spécifiquement en industrie, sur des expériences assez précises en industrie auto. Voilà. Les processus de recrutement, ils se passent, on le voit derrière nous, avec de la rencontre, oui. Premier échange. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette rencontre, elle est plus importante qu'hier, où on était un peu plus sur le CV ? Oui, bien sûr. Oui, aujourd'hui, on a besoin de rencontrer. Dans l'ère aussi du numérique, où on a tendance à vouloir faire les choses à distance, nous, on accorde une importance particulière au fait de rencontrer les candidats. On a un CV, effectivement, mais parfois, par leur expérience, ils souhaitent faire autre chose. Ou nous, on peut détecter d'autres potentiels, d'autres choses pour les candidats. Ça nous arrive régulièrement. Donc oui, c'est très important de recevoir. Imaginez des passerelles, ouais, c'est votre job. Avec des compétences transverses, comme on dit. Voilà. Mais il y a aussi, on la voit ici en parlant avec les recruteurs, le savoir-faire qui est de plus en plus et plus que jamais aujourd'hui devenu l'exigence majeure. Oui. Savoir-faire. Savoir-être, oui. Pardon, je voulais dire. Savoir-être surtout, oui. Ouais. Savoir-être, donc oui, c'est pour ça qu'on aime rencontrer aussi les personnes. C'est très important de voir si on peut. On connaît nos clients et selon les personnes, on peut les imaginer chez tel ou tel client, ouais. Se fondre dans l'environnement. Vos clients, ce sont les entreprises donc, qui vous missionnent pour recruter, oui. des jeunes talents. Comment en sont d'un savoir-être comme ça en quelques minutes ? Questions. Voilà, nous on essaie de mettre à l'aise les personnes. On n'a pas de process, en tout cas chez Proman. On a Proman Expertise aussi qui peut avoir un process différent, mais plutôt dans la discussion. Nous on va être plutôt dans la discussion, dans l'étude du parcours, de voir comment les personnes se voient et ce qu'elles attendent aujourd'hui d'un recruteur. De voir elles, quelles sont leurs exigences. Et aujourd'hui c'est très important pour les candidats. C'est plus important que le CV ? Oui, oui. Il y a un CV, on aura toujours Nous, on est liés, on a certaines exigences de nos clients. Donc, on sera toujours obligé de se référer à certaines expériences, quoi qu'il en soit. Mais il y a des expériences qui peuvent parler pour d'autres postes. Dernière question, est-ce que les exigences de vos clients, elles cadrent souvent avec les exigences des demandeurs d'emploi? On parle aujourd'hui de sens au travail, de bien-être au travail. Est-ce que ça cadre forcément? Pas toujours. Il y a du chemin à faire. Les candidats sont de plus en plus exigeants. Sont de plus en plus exigeants sur leur bien-être, prennent moins des postes par défaut. Voilà. Ça, c'est intégré du côté des entreprises ? Pas toujours. Il y a encore un petit peu de travail. Et ça, c'est votre job ? Oui, bien sûr, de leur faire prendre conscience, de les conseiller, de les amener vers autre chose. Oui, bien sûr, on est l'intermédiaire. Ok, merci beaucoup. Bonne journée ici à l'agence Proman au village des recruteurs de Lyon.